attends. Ça, et je veux bien. Ça, je vais exiger le droit à l'image. Vous me donnez mon week-end, au revoir. À la semaine prochaine. Thank you.
美味しいよ。あ、ほほら、ブシリって書いてもう出ます。本当だ。ツーさん見て。ん？ほら、35日マチュレって書いてある。本当だ。すごい。あなたの好きな熟成肉があるってことですよ。そうですね。はい。はい、じゃあ行きましょう。はーい。Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, madame? Ah, en fait, je suis ici pour la viande de pot-au-feu. Pour un petit pot-au-feu. Mais quelle est la votre spécialité ici? Notre spécialité, c'est la viande maturée. Je vous invite à faire le tour, on va regarder ensemble. Ah, ok, merci. Notre spécialité, oui. C'est la viande maturée, mais plus particulièrement la normande. C'est maturé 35 jours, donc c'est pas trop fort. Voilà, oui. C'est notre milieu, notre entrée de gamme. D'accord. C'est super simple. Après, oui. On va monter en prix oui. Avec la maturation. Ouais. Ici, on a une charolaise, oui. 40 jours de maturation. Okay. C'est un petit peu plus tendre, c'est élevé en Normandie. Oui. Et le plus maturé, là, c'est une Black Pearl que j'ai regardé un petit peu, le persil que ça. Ça, c'est magnifique, c'est 60 jours de maturation. C'est très, très goûtu pour les amateurs de belle viande maturée. これ本当サシがいっぱい入ってる。本当だね、すごい。Est-ce qu'il y en a une qui vous ferait plaisir? C'est 35 jours? Non, 35 c'est ici. À 35. Et là on monte à 60. Ça c'est 40. 40. Et là on est à 60 jours. Ah oui, 60 jours. 60 jours. Oh, ouais. Donc deux donc, mois. Là c'est beaucoup plus poussé. Voilà. Oui. C'est beaucoup plus goûtu. Oh, d'où je suis. Vous faites goûter notre petite spécialité, la petite normande. C'est la spécialité. Et quelle est la plus populaire? C'est celle-ci, la normande, c'est pour ça que je vous la présente. Ah d'accord. Parce que rapport qualité-prix, c'est le top. Voilà, on se fait plaisir. S'il y a des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de la viande trop forte, ouais. Ils se régaleront forcément. Et en même temps, on a quand même ce petit côté viande maturée qui n'est pas désagréable. Hein, qui fait la différence à une viande qui ne l'est pas. D'accord. Ouais. Bah, on va essayer. Donc, on essaye ça, oui. Je vous fais une entrecôte pour deux personnes. Pour deux personnes, ouais, c'est ça ouais, ouais. Oui. Je vais retirer mon os. Oui. Et après, je vous fais une petite entrecôte. D'accord. Et chaud. Regardez, on se fait une entrecôte comme ceci. C'est bien ça? Oui. Oh. おいしそう ほらら Voilà. すごいね。On va avoir quelque chose de sympa. Wow. Ouais. Ça va être mignon. Donc moi, je vais nettoyer un petit peu autour parce qu'il y a ce qu'on appelle les excédents de maturation qui ne sont pas très bons à la cuisson. Donc j'ai retiré ça. Là. Bonjour madame. Et là. Vous allez bien? Voilà. Et là, c'est tout bon. Pour la cuisson. Voilà, on a une belle petite entrecôte, 35 jours de maturation. Pour la cuisson, ce qu'on conseille toujours avec mes collègues, c'est de surtout pas mettre de matière grasse. Ouais. D'accord. On ne met pas de beurre, on ne met pas d'huile. En fait, on chauffe la poêle. Une fois que la poêle est chaude, on met un petit peu de fleur de sel. D'accord. Et quand la fleur de sel elle est chaude, vous venez mettre la viande, ça va faire une croûte. Et vous faites deux minutes. Un aller-retour, vous sortez la viande, vous la mettez dans un papier d'alu et vous attendez 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Et une fois que c'est fait, vous vous régalez. D'accord. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a tout ce qu'il y a. Il y a tout ce qu'il y a. Il y a tout ce qu'il y a. なんかすごい、ツーさんここ、すごい魅惑のワンダーランド。あら、さ、c'est le gîte。Oui。さ、c'est une joue。Oui。Qui va être bien gélatineux。Oui。Et ça, c'est un paleron。Ah, ok。Voilà。すごいね。Donc, tout ça pour le pot-au-feu, c'est top。Ok。Vous allez vous régaler。あ、なんかさ、ああいうもできて、もうすぐ食べれるの。本当だ。セレクションドジュ。本当だ。あ、普通がこっちにもほら見て、パッドとかいっぱいある。本当だ。美味しそう。普通さん、普通さんが好きなもの、どれ？ほら。あ、ノアゼット。あ、ノアゼットね。Voilà, regardez. Oui. Donc là, j'ai 500 de gîte, oui. 500 de paleron. D'accord. Et je vais mettre une petite ficelle pour que ça okay. se tienne bien quand vous allez le cuire. D'accord. Hop. Comme ceci.
Hop. Oui, c'est bon. Voilà. Donc là, moi, j'ai mon petit palan et là, le petit jet. Non, ça, c'est le plus important. Oui. Des os à moi, là. Oui. Et un bouquet garni. Parfait. Ça, c'est le meilleur. Oui, c'est parfait, merci. Ça, faut le cuire au moins 3 heures. Hein. Ouais. Pas moins de 3 heures, c'est important. Et après, il aime beaucoup du saucisson. Oui, il mange un petit peu de saucisson. Pas de soucis. Alors, on fait plein de saucissons. Oui. Hein. Là, on est en train. On va avoir du saucisson nature. Oui. Qu'on a accroché là-haut. Tout là-haut, vous voyez. Ouais, ouais. Là, c'est saucisson nature. Oui. Au cèpe, c'est des champignons. Champignons. Fruits catalans, c'est une saucisse sèche. Oui. Super bon. Oui. Ça, c'est du saucisson aux truffes. Oh, vous voyez les ouais. truffes oui. C'est le raisin. C'est très très goûtu. Hein. Oh, il faut... Si vous aimez les truffes, oui. ça c'est addictif. Ah bon ah, oui. Et on a tranché tout ça, c'est au poivre vert aussi. Ouais. Poivre vert, on a aux olives noires, aux noisettes et au piment d'Espelette. Oh, c'est un petit peu piquant, mais pas ouais. trop. C'est léger le piment d'Espelette. Ouais. Si vous aimez, si c'est un petit peu relevé. Oh. Vous voulez un petit saucisson frangé? Le tolifo. Un tolifo aussi, ça oui, il est vraiment intéressé par le avec les tolifos. Avec les truffes? Oui. Ah oh, oui, déjà, ça sent très ça bon. Ça sent la truffe. Ah bon. Oh. Mmh. C'est bon, ouais. C'est ouais, super bon. Ok, on prend un bon ouais, essai. Bien sûr. Ouais. Ouais. Avec ceci. Et ça sent c'est tout bon? Oui, bien sûr. Waouh. Oh, venez, venez. Oh, avec le chiffre, chez Vicar. Ça va bien? Oh, c'est beau, il y a du monde. Hein. Oui. C'est vrai. Hein. Bonjour. Ah, c'est beau. Vous voyez ouais. Ça, c'est tout notre vin qu'on fait. Ah, oh, oui, ça. Oui. Beaucoup de vin. Beaucoup, oui. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est beau, ça, c'est... Là, on va être sur les Bourgognes, oui. la région Bourgogne. Ça, c'est des Côtes du Rhône. Mm-hmm. Côtes du Rhône, c'est un petit peu en dessous. Oui. On travaille avec des vignerons en direct d'accord, okay. pour sélectionner des bons vins qui vont s'accorder à notre viande maturée. Ah, d'accord. C'est notre spécialité. Ouais, okay. Voilà. On a aussi des très bons champagnes dessus. Oh, ils sont Charles Hensick, c'est une très bonne maison de champagne okay. qui fournit que des restaurants. Ah oui, que d'accord. des restaurants étoilés. Et nous, on a des champagnes. On travaille avec eux sur le champagne, c'est délicieux. Et Ikemen d'Arakeda. Bien vu. Ok. Tout le monde. Pourquoi Ikemen d'Arakeda? Tout le monde. Mais voilà. Ouais. Ouais. Hop. C'est bon. Tout là, c'est les poulets pour la rôtissoire. Wow. Pour cuire la rôtisse et en l'air, il y a toute notre viande. Ça, c'est le cochon. Ouais, d'accord. Le veau. Encore des poulets. Vous voyez. Et tout ça, c'est les rôtis de bœuf. Ouais, voilà. Tous les rôtis de bœuf, les ossobuco. Ouais. Vous connaissez les ossobuco? Les ossobuco, ça, on fait cuire ça pendant 3-4 heures, comme le pot-au-feu. C'est du jarret de veau avec un os au milieu. Vous faites cuire ça tout doucement, comme le pot-au-feu, c'est délicieux. Là, c'est de la belle volaille, la belle rouge. La belle rouge, c'est des super poulets. C'est élevé 100 jours. Ouais. C'est magnifique. Hein. Ils ont bien vécu, ces poulets-là. C'est pas des poulets de batterie. Tout ça, c'est notre rôtisserie. Donc, on fait pareil, les poulets la belle rouge, tous les poulets que vous avez vus dans le frigo accrochés, oui. on a mis un petit peu d'épices dedans et on les a cuits dans la rôtisse. Et voilà, ça fait ça, c'est des travers de porc. Des ribs. Oui. Et ça, c'est une épaule de cochon confite. Ah, confit. Confit. Okay. Ça cuit pendant des heures. Il est oui. Et ça, c'est pour 3 personnes. C'est délicieux. Ouais. Une petite patate. Et ça, c'est les mêmes poulets, mais on a un petit peu plus petit. Ah, okay. Pour moins de personnes. Ah. Oh, voilà. Oui, c'est bon. Et ici, c'est... Et tout ça, en fait, c'est nos garnitures. Garnitures, d'accord. Donc, les garnitures, ça va être des pommes de terre, ouais. des pommes dauphines. Oh, okay. Des pommes de terre cuites à l'ail, de la purée, des gratins dauphinois, des petits légumes. Mais en fait, il y a une grosse partie, c'est le restaurant d'à côté qui nous les font. Ah, d'accord. Voilà. Ils sont super bons. Les purées, les légumes. Le hachis parmentier, c'est nous qui le faisons. Il a des lardons, du foie gras. Ah, donc vous avez tous des viandes. Merci, oui, on a tous. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.
Merci. Au revoir, merci, merci. Monsieur Lamy. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Ah, il paye 買っちゃった。すごかったね。うん。ありがとうございます。Listo. Thank you.
はい、どうぞ。ポトフです。いただきまーす。いただきまーす。乾杯。いただきまーす。いただきまーす。乾杯。あ、すいません。ありがとうございます。あ、すごいホロホロやね。ホロホロでしょ？すっごいホロホロ。だって、あまりなんか切る必要性を感じないぐらいだった。なんかポトフって何回か食べたことあるけど、何回かっていうか別に食べたことあるけど、うん、そんなに別になんか、うんうん、そんなにピンとこないことが多かったけど、うん、こう考えると、うん、言ってたよね、うん、でも美味しいでしょ。美味しい美味しい。なんかこれフランスのソウルフードなの？そうなんかなんていうの、こう何こう日本人のお米的なさ、なんかお米じゃない、お米じゃない、なんだろう、味噌汁とご飯的なさ、鍋みたいなもんじゃないかしら。うーん、日本人の冬の、あ、なるほどね、うん、冬に食べるもんなの。あ、そっか、冬に食べるもん、うん、だって根菜でしょ、で煮込むでしょ、うん、だから夏じゃないね、冬の食べ物だよ。うん、まあ、うん、あのフォンダンショコラ、うん、俺もう何個食べたか分かんないもん。いっぱい冷凍してある。うん、すごいよね、フォンダンショコラはしばらく大丈夫ですっていうぐらいあるからね、うん、来年のバレンタインそうね、フォンダンショコラ冷やしても美味しい。あ、そうね、冷やすとなんかねっちりするっていうか濃厚になるもんね。そう、なんかあのトロッとしてる感じよりむしろ冷やした方が好きかもしれない。あ、そう、うん、なんか冷やした方がなんかコクがある感じ。うん、うん、そうね、うん、あ、そう、分かった、生チョコみたい、うん、じゃない、生チョコみたいになるよね、うん、あれ美味しいよ。どっちにしてもいいの。うん、うん、いやいや、とにかくあの店にはもう一回行く、俺は。あの肉屋にはもうね、あのステーキが最高だった。でもみんなイケメンだし、うん、すごいよね、うん、あのなんかイケメンのそのみたいになってる。そうなの、だってね、ホームページがみんなすごいすごいなんか見た、うん、すごい、なんか何なんだろうな、あれは。 ああいうディレクションを取ったのはすごいよね、うん、なんか、うん、みたいな、なんか消防団みたいじゃなかった、うん、消防士っぽくない、あの人たち、みんなポンピエみたいな。そう、ポンピエっぽい。なんかあ、普段はポンピエなんですよって言われたら、あ、そうなんだって思っちゃうし、なんかもしかなんかプロプリエティアがさ、元ポンピエでみたいな。そうね、うん、そうだね、うん、裏とかでなんか筋トレとかしてても全然不思議じゃなくない？なんか昼とかみんなでなんか肉食べながら、ね、あのランニングシャツでさ、うん、みんなで冬でもランニングシャツですよ、うん、みんなでこう、うん、あ、それで 牛でこうやって、そうそうどんなんだよ、怖いわいや、あの熟成肉美味しかったよ、うん、びっくりしたよ、あれ、ね、お得だよね、あれすごい。いや、お得なんてもんじゃない。だって本当に家でレストランクオリティのもの食べられるの、うん、あの焼き方がね、うん、もう思わなかった、食べた時美味しかった。店じゃんって思わなかった。うん、美味しかった。そう、あのお店の、だから今度はまたちょっともうちょっと上のやつをちょっとトライしてみて、うん、さらにいいかもしれない。そうだね。なんかやっぱりちょっと癖とか強くなってくるのかしら、うん、って言ってたもんね。うん。うん。あとね、いつも感じいいのね、なんか。そうな、感じ。俺が期待するフランス人の良さが出てる。うん、あ、そう。こうなんかあのザックバランでいい感じみたいな。うん、私が行った時は、うん、なんかもう全然お昼前だったのに、一番最初ね、うん、もうなんかマダムたちがこうわらわらと、うん、鳥のところでなんかこう切ってもらったりしてて、うん、でさらに奥にはこうおじさんたちがなんかこうお肉はとか言って買ってて、うん、すごいもうお昼の前なのに混んでると思ってびっくりしたのね。もう肉屋さんで平日なのにみたいな。やっぱマダムの中でもね、ボギャクソンがいるって絶対なんかあるんだよ、絶対。なんか絶対言われてんだよ、もう絶対言われてると思う、なんかあそこはいいわねみたいな、肉を買うならあそこにあると思う、絶対若返っちゃうわみたいな。そうそうそうそうそうそうそう、お肉も食べれるし、美味しいお肉も食べれるし、若返っちゃうし大丈夫かなこの会話まあそうね、確かに。それは心配だけど、それは心配だけど、でも俺は素直な感想を言ってる、うん、あの肉屋は、うん、とても良いでしょ、とても良い、うん、俺も熟成肉を自分で作ろうって野望が、うん、もういいや、こうあそこでってなったの。いや、だってそんな嫌だよ、熟成肉そんな家に冷蔵庫の価格を調べてたけど、うん、でもないって思った、もうあそこでいいやってなった、うん、まあ、うん、うん、いや、もういいよ、近くなんだしさ、そうだ、あそこでまた買いましょう。いろんな他のお肉も美味しそうだったもん、うん、
肉祭り。さあ、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。よかった。ソウルフード。はい。